salut à tous, c'est Norinio, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dredge, la seconde. Et j'ai un peu avancé dans le jeu, hein, je vous le cache pas, là vous voyez normalement en haut il y a écrit jour 42. Donc ouais, on est plus... enfin, j'ai joué en off, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'ai découvert plein de petits trucs et j'ai amélioré mon bateau, là comme vous pouvez le voir, j'ai des nouveaux objets, j'ai des explosifs, j'ai ça. Faudrait que j'aille le vendre d'ailleurs. J'ai des nouveaux moteurs. Enfin bref, j'ai bien amélioré mon bateau. Et alors attendez que je me rappelle. C'est ce truc là. Voilà. Et là, je peux faire ceci. Donc j'ai un peu. Ouais, j'ai un peu joué. Et je commence à comprendre un peu de quoi le jeu retourne. Alors. Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur, vendre mon doublon. Enfin, ma babiole. Alors, j'ai quelques quêtes. Je dois chercher des reliques. Il dit trouver la boîte à musique dans les falaises soufflevant. Donc, je propose qu'on fasse ça. On va aller aux falaises soufflevant. Et on va essayer de trouver la boîte à musique, je pense. On doit aussi pêcher un tasard tigre. On verra. On va aller au falaise soufflevent. Le falaise soufflevent qui se situe. Ok, par là. Bon, bah c'est parti. Hop, levons l'ancre. Alors, j'ai testé un peu de naviguer de nuit. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est dangereux. C'est. Il y a des bateaux en fait qui apparaissent. Et les bateaux, quand ils arrivent un peu trop près de vous, se transforment en monstres et vous attaquent. Et vous cassent votre coque. Et si à l'emplacement où vous avez eu un problème, enfin où il vous a cassé votre coque, il y a un objet, et ben il tombe par-dessus bord. Ouais. Donc faut faire attention. Donc là notre but ça va être ouais, de trouver un peu ce que recherche le gars de la quête. Il recherchait donc une boîte à musique. La boîte à musique, je pense qu'elle va se trouver dans des débris. Et les débris, ils se reconnaissent assez facilement, normalement. C'est A. Attendez, j'ai trouvé des débris là. Voilà. Vous voyez, ça ressemble pas à des poissons. C'est donc des débris. C'est parti. On drague tout ça. Clac, clac. Et par draguer, je veux pas dire. T'habites encore chez tes parents. C'est juste. Un bijou en argent. Sympa. C'est. Ok, il commence déjà à faire nuit. Voilà, attendez, on va rentrer. Enfin, on va vite fait aller se reposer. Parce que ça va commencer à être dangereux sinon. Ouais, donc on va. Enfin, draguer, ça veut dire récupérer des trucs. Là, vous voyez ces machins-là? Vous avez vu, hein? Et c'est des machins qui avancent même quand moi, j'avance pas. Donc, faut faire attention. On va faire un petit somme. Le repos nous permet donc de récupérer notre sanité mentale et d'éviter de rencontrer des monstres la nuit. Donc c'est bon, on va repartir. Donc pêcher de nuit est dangereux en fait. C'est dangereux, mais ça peut permettre de pêcher des poissons qui ne sont disponibles que de nuit. Et certains se vendent assez cher, de ce que j'ai compris. Hop, ça on va le draguer. Ça a l'air d'être du tissu, mais. Ouais, c'est du tissu. Vous voyez la petite silhouette blanche, c'est de la silhouette du tissu. J'ai amélioré un peu mon bateau, hein, depuis la dernière fois, comme vous pouvez le constater. Hop. Ce qui me permet de transporter plus de choses. Et d'avoir une lumière plus puissante la nuit. Ce genre de choses, c'est plutôt cool. Hop. Ok, il n'y a plus de tissu ici. C'est pas du tissu que je cherche, moi c'est une boîte à musique. Ah attendez, c'est quoi ça? C'est du tissu encore ou c'est... Non, c'est du métal ça je crois.
Ouais. Alors le problème avec le métal, c'est que ça prend beaucoup de place. Hop. Bon, on va prendre quand même, hein. Au pire, on rentrera vite fait pour stocker le matos qu'on a récupéré. Hop. Ok. Là, il y a du bois. Le bois, c'est bien, j'en ai pas beaucoup. Draguer. Ah, mais j'ai de quoi stocker qu'une planche là avec tout le bordel que j'ai à bord. On va mettre ça là. Ah, quoique, je peux pas. Je peux pas faire. M'arranger pour que. Est-ce que je peux pas aligner les trois trucs là? J'ai pas l'impression. Bon, écoutez, on va. Ah putain, il fait déjà nuit! On va se dépêcher de. D'aller au. Au truc là-bas. Enfin, au machin où on s'est reposé la dernière fois. Ah mince! J'ai boosté pendant trop. Trop longtemps! Quand on booste pendant trop longtemps, ça endommage le bateau. Ah, c'est con! Je vais devoir faire réparer ça va me coûter de l'argent. Hop, amarrage. Je devrais peut-être pêcher du poisson pour récupérer de l'argent aussi. Chantier naval, alors. Oui, je sais. Alors, est-ce que tu peux tout me réparer, s'il te plaît? Tu sais pas une source de matériaux de réparation, tu sais. Mais si, mais si. Enfin, attends. Vraiment? T'as pas une source illimitée de matériaux de réparation? Oh! Ça, il m'en faut. Merde. Est-ce que je peux vendre ça? Vendre, oui. On va vendre le métal, on en a déjà plein. Hop, par contre, je vais acheter ça. Ah, j'ai pas assez d'argent. Oh, j'ai pas assez d'argent du tout. Merde. Bon. On va se reposer. Je vais aller voir à la base ce qu'il me faut pour améliorer mon bateau. C'est quoi ce bruit? Alors attendez. Quête, non. Carte. Ok, c'est par là. Tac, c'est parti. Ah, il y a le phare là-bas. L'art du baratin. Consultez les bonus dans la cabine. Ah, oui. L'art du baratin. En fait, de temps en temps, on obtient des livres qu'on peut lire petit à petit. Oh, ça c'est chouette. On peut choisir lesquels lire. Et on les lit en fait quand on se déplace en bateau. Et ça offre des bonus. Donc je peux vendre mes poissons plus chers et acheter les choses moins chères. Ah bah attendez, on va en profiter pour pêcher un peu. Pêcher. Hop. Hop. Comme ça on pourra vendre tout ça. Ça, je peux pas plutôt. Voilà, et ça. Hop, ok. Ah, il n'y a plus de poisson. Hop, c'est parti. Il y a d'autres poissons, on va prendre ça. Hop. Pêche. C'est pas un tasard rayé, ça? Non, c'est un cabillaud. Ah bah j'aurais plus de place pour d'autres poissons de toute façon. Ok. Bah ça tombe bien, on va les récupérer mes casiers à crabe. Parce que j'ai acheté des. Enfin, j'ai fait une quête qui m'a donné des casiers à crabe et j'en ai acheté d'autres. Donc on va pouvoir remplir tout ça. Là vous voyez, je me mets à côté, je vérifie le casier. Et hop. Je récupère les crabes et je vais aller les vendre. Hop. Donc voyons voir ce qu'il nous faut pour améliorer notre bateau. Déjà, on va vendre tous les poissons. Voilà. Ensuite, on va à la cale sèche. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la nouvelle coque? Il nous faut du bois. Ça tombe bien. C'est pas du bois ça. Ça tombe bien, j'en ai un. Et il nous faut un truc précieux. Ok. Ça coûte 500. Donc il va nous falloir économiser un peu d'argent. Ok, très bien. Ensuite, la réserve.
On va hop, stocker ça. On n'avait plus beaucoup. Et hop, on va lever l'ancre et on va récupérer ce qu'il y a dans les casiers à crabes. Ça va nous faire un peu d'argent. Alors, tout prendre. Non, toi. Voilà. Tout prendre. Ah mais mince, j'ai pas récupéré celui. Bon, c'est pas grave. Tout prendre. On va vendre vite fait parce que là on n'a plus assez de place de toute façon. Hop! Ça me donne pas mal d'argent, ça c'est bien. On va peut-être pouvoir acheter le matériau précieux dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout prend. Hop! Banjul! Je vends tout. Donc j'ai combien d'argent? 640, ok. Et vu que j'ai l'art du baratin, ça, je vais pouvoir acheter le matériau même moins cher, normalement. On va aller quand même faire dodo dans la ville. Merde, je suis con, je suis con, je suis con. Bon, c'est pas grave. Je suis con, j'ai trop forcé sur le moteur. À chaque fois, je me dis, ah, c'est bon, je booste, mais... Putain, ça va me coûter de l'argent, ça, encore. Hop. Bon, bah, au final, j'aurais vendu la babiole, mais... Il me faudra bien ça pour rembourser mon moteur endommagé. Là, vous voyez, je suis beaucoup plus lent. Vraiment beaucoup plus lent. Hop. Allez. On va faire des réparations. Et on va pioncer un coup avant de retourner là-bas. Je sais pas si... si on aura le... Si on va pouvoir trouver les choses... choses qu'on veut. Oui, tais-toi. Hop. Je sais pas si on va pouvoir obtenir ce qu'on voulait au début de l'épisode. Allez. On lève l'ancre. C'est parti. Et on fait quand même attention à la jauge. Hop. Vous voyez la jauge en bas à gauche. Avec du feu. C'est quand ça va tout en haut, ça fait un dégât automatiquement. Donc, faut pas trop forcer le moteur, quoi. C'est assez étrange en fait l'ambiance de ce jeu parce que c'est à la fois relaxant et à la fois un peu stressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la journée, bah, y a pas de risque. Et la nuit, par contre, il y a des poissons chelous qui t'attaquent. Ça. Oh! Attendez. Salut, beauté. Hop. Merde. Tac. Tac. Petit espadon. Petit espadon. Il m'a fait de l'œil. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Est-ce que j'ai de quoi empêcher un deuxième? Je crois pas. Bah de toute façon, il n'y en a plus ici. On va aller le vendre. Hop. Et on va récupérer du bois. Et essayer d'acheter aussi... enfin, essayer d'acheter. On va acheter le métal précieux. Hop. Bonjour. Marché aux poissons. Donc. Ouais, vous voyez, ça coûte cher, les espadons. Hein. C'est Doc Flottant. Un coup d'œil. Ah, je peux le faire directement ici, ça c'est bien. Ok. Chantier naval. Ah, voilà. C'est ceci que j'aimerais acheter, s'il te plaît. Merci. Est-ce que je peux t'acheter aussi ça? Ah, ouais, mais non, je vais économiser, je vais économiser. Chantier naval. Non. Pas chantier naval. Doc flottant. Nouvelle coque. Et on va mettre ceci. Et il nous faut un bois. Il nous faut un bois et de l'argent. Donc on va essayer de faire ça. On va aller chercher du bois dans la réserve qu'on a vue tout à l'heure.
Oula, j'ai failli encore endommager mon truc. Voilà. Faut que je fasse gaffe, hein, c'est... On a en fait, on a envie d'aller... Oh putain, la flip. Alors qu'en fait, je crois que ça peut pas faire de dégâts. Draguer. Hop. Vous avez de beaux yeux, vous savez. Hop. Voilà, c'est comme ça qu'on drague. Ah, je saurais pas, j'ai jamais fait ça. Allez, tac. Oh, pièce de recherche, ça c'est cool. Ça me permet de découvrir de nouvelles améliorations. Donc c'est toujours sympa à avoir. Et en plus ça coûte cher ces machins là. Donc si ça peut m'éviter d'avoir à dépenser de l'argent, je dis pas non. On va prendre le maximum de bois possible, parce que le bois c'est assez rare mine de rien. Ok. Donc épuisé, et en plus il fait nuit. Donc au dodo. Allez-y. Ah! Oh non! Mais c'est pas possible! J'ai vraiment pas de bol! Ah bon, c'est pas grave. Chantier naval. Oui, ta gueule. Tout réparé. Ensuite. Dock flottant. Coque. Hop. Tac. Ok, donc il nous faut 800 balles. On va faire un petit dodo. Et on va aller pêcher du poisson. Pour se faire un peu d'argent. Hop, ok. Allons pêcher. Il y a du poisson. Je sais pas trop quel genre de poisson. C'est quoi ce bruit? Putain, la musique, elle fait peur. Tac, tac, tac. Tazar tigre, ah il m'en fallait un. Mais je suis con. Hop, tac, tac. On va tout pêcher. Je me rappelle plus qui voulait que j'y rapporte un tazar tigre. Donc on va voir ça. Hop, quête. Pêcher un tazar tigre. Et lui a pour apporter un... Sur une île entre les moelles et les falaises soufflevant. Ok. Donc là, on est aux falaises soufflevant. Ah bah c'est là. J'avais marqué le point. Et bon, on va aller le voir. Peut-être qu'il va nous donner des trucs intéressants. C'est par là, je crois. Ouais, ça a l'air d'être par là. Allons-y et n'endommageons pas notre bateau. Hop. On maîtrise. C'était là ou c'était à côté? Il me semble que c'était là, je crois. Oula, attention. On va pas se cogner contre le rocher non plus. Ouais, il se passe des trucs chelous ici. Vous entendez ces bruits? Alors déjà, je vois ça. Moi, je suis désolé, mais c'est des trucs précieux. Je peux pas m'en empêcher. Épuisé. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Et là... Il y a un bateau. Vous avez repéré d'une épave dont la coque vous est familière. Elle est presque identique au navire que vous a donné le maire. Sauf que celui-là a une énorme brèche sur le côté. Vous êtes amarré aux côtés de la vieille épave. Ah bah c'est un bateau que j'avais déjà visité, donc on s'en fout. Hop là. Demi-tour. Ah non, il devait être là. Oh! Là, vous voyez la petite aura qu'il y a au-dessus? Ça veut dire qu'il y a un poisson rare là-dedans. Oh, je peux pas! J'ai pas rien pour pêcher dans les abysses. Dommage. Tant pis, on fera ça plus tard. Il est là, le gars? Alors, attendez. Carte. Bah non, il est pas là. C'est pas lui? Attendez. Je crois que j'ai vu quelqu'un. On va aller voir. Ouais, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Bonjour monsieur. Oui. Oui, tu veux un tazar, tiens. Tac.
Une fois encore, elle déchire la chair du poisson et extirpe son cœur. Elle le dévore aussi vite que le premier. Satisfaction presque atteinte. La silhouette pointe du doigt un poisson sur le dernier parchemin. C'est un escolier serpent. D'accord. Et les escoliers serpents? Oh, bon, je sais pas. Hein. Escolier serpent. Est-ce que c'est un truc que j'ai déjà. Est-ce que les serpents à l'échine du diable? De jour comme de nuit, apparemment. Dans l'an. Canne à pêche ou chalut. Ok. C'est un truc de côte. Eh ben écoute, grand bien t'en fasse, mon gars. Je ferai ça plus tard. Hein. Là, j'ai d'autres plans. Et ils sont assez pressés parce que. Il fait bientôt nuit. Hop, allons-y. Ne cassons pas le bateau. Avec une surchauffe, ce serait bête quand même. Je me demande ce qui va se passer quand j'aurai donné tous les poissons. Ah, on va pêcher un peu. On a encore quelques heures. Tac, tac, tac. Nickel. Tac, tac. Nickel. Tac. 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 Ok. J'ai eu un trophée, ça c'est bien. Les poissons trophées, c'est des poissons qui se revendent plus cher. On s'amarre. Et marché aux poissons. Alors. Voilà. Il fait un peu d'argent. Faut que je regarde d'ailleurs combien d'argent j'ai. J'ai pas fait gaffe. 404. Et il nous faut 800. Faisable, faisable, mais ça risque d'être un peu long. Là, c'est quoi comme poisson? Pêcher. Je crois que c'est un poisson que j'ai jamais pêché, ça. Oh! Cernier. Très bien. Bah, pourquoi pas. Tac. J'ai pas de la place pour beaucoup plus. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est pas des pièces d'amélioration, ça? Si! Parfait. Vraiment chouette, ça, pour le coup. Et ici, qu'est-ce que je peux pêcher? Un poisson en L. Merde. Tac. Bon, j'ai plus de place pour des poissons comme ça. Je vais aller vendre tout ça. Les gros poissons, ils ont vraiment pris beaucoup de place dans ma cale. J'espère qu'ils valent un peu cher. Hop. Salut. Marché aux poissons. 142. Pas mal, pas mal. Continuons. Tiens, je vais aller voir les poissons qu'il y a là-bas. Mais c'est musique! Vraiment, c'est. Attention, il va se passer quelque chose! Ah, j'ai eu un achievement. Pêcher 250 poissons à l'aide de la canne à pêche. Bah pourquoi pas, écoutez. Ah, et j'ai eu un poisson butant. Comment ça, non? Comment ça? Je me suis raté. C'est pas possible, moi je me rate jamais. Ça, c'est bien comme poisson. C'est des poissons qui prennent qu'un emplacement, qui sont faciles à pêcher. C'est pratique, j'aime bien. Ici. Hop. Oh, il est moche. Hop. Tac, tac. Tac, ok. Un là et un là. Un troisième poisson. Clac, clac, clac. Oh! Et encore un poisson pierre gélatine 2. Encore un poisson. Oh! Oh. J'ai vu la petite aura là. Et là, je peux pêcher ici.
Oh. Bon. Tant pis, on va abandonner un poisson comme ça. On a la cale pleine là. On va se faire plein d'argent. Tous les trucs qui apparaissent, c'est chelou. Allez, hop. Marche au poisson. Oui, je sais. 174. Ok, donc plus qu'une partie de pêche et normalement j'aurai de quoi améliorer mon bateau. Hop! Partons à l'aventure! Là-bas! Allez, les petits, ils sont bien. Tac, tac, hop. On va vider complètement la réserve. Mes réserves basses, m'en fous. Je prends tout. Vous. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ok. Hop. Tac, tac. Ok, pas mal, pas mal. Est-ce que je peux pas pêcher un petit poisson en L vite fait? Ça c'est quoi? C'est du métal, j'aurais pas la place pour du métal. De toute façon, j'en cherche pas pour l'instant. Ça c'est pas un petit poisson qui fait du 2? Ah, c'est un poisson en L, très bien. C'est ce qu'il nous fallait. Voilà. Cale est pleine. On va pouvoir améliorer le bateau. Tac, bonjour. Je voudrais vendre. Vendre. Merci. Et donc là, on va au chantier naval. Et. Non, c'est pas au chantier naval, je suis con. Au dock flottant. Et on achète l'amélioration. Paf! Améliorer la coque au troisième niveau. Nickel! Ah, les réserves, elles sont partagées entre les endroits. Ça, c'est bien ça. Hop, on met ça là. Hop. Et on met ça là. Voilà, il nous faudra deux morceaux de bois pour continuer l'amélioration. Ensuite, là, il faut deux tissus de bois. Bon, on va mettre les deux tissus. Mince. Hop, ok. Là, il faut 3 métal, ça tombe bien, j'en ai plein. Il va devoir plein de bois aussi, hein. Clairement. Hop, j'ai un tissu aussi. Ok. Là, il faut du métal. Ça tombe bien, j'en ai aussi. Et là, on va voir, en fait, tous nos matériaux vont être partis là-dedans. Et là, il nous faudra du métal et du bois. Ok, très bien. Et bah voilà. On a bien avancé. On a amélioré le bateau. On a récupéré quelques matériaux. Du coup, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!